Donc, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo qui va consister à l'ouverture de mon serveur. À l'ouverture de mon serveur. Donc, c'est un serveur en survie. Donc, déjà, sachant, je vais vous donner quelques petites informations sur ce serveur. Sur ce serveur. Donc, déjà. Pour le construire, nous y sommes tous ces amis là. Donc, Kevin 83810, grosse dédicace à toi. Arnaud Crane, grosse dédicace à lui aussi. Il m'a aidé à faire une bonne partie de ce serveur. Ensuite, donc oui, dans ce serveur, les moyens de paiement, donc c'est les diamants, l'or et le fer. Donc, je m'explique. Par exemple, pour acheter un emplacement genre comme ça pour construire, il vous faut des diamants, etc. etc. Donc voilà. Donc s'il y a des problèmes, venez me voir. Donc Monsieur le 10 ou quoi. Et Antonin, donc c'est un admin. Voilà. Donc moi, voilà. Petite pub. Ensuite, donc Antonin, grosse dédicace à toi aussi. Brice, donc c'est Chopper Ice, grosse dédicace à toi. Warrior, ah oui, lui aussi, lui, il m'accompagne dans le serveur comme vous pouvez le voir. Warrior 55400, il m'a beaucoup aidé à faire ce serveur. Nathan 29, grosse dédicace à lui aussi. Il m'a aidé à faire une grosse partie de ce serveur. Je le dirai quand les joueurs auront construit dans ces constructions-là. Donc voilà. Donc je voulais vous dire donc l'ouverture définitive est ce jour. Donc ce jour est le dimanche 2 février 2014. Donc voilà, c'est écrit en gros devant l'entrée. Ensuite, voilà, Warrior qui fait le pit. Bon bref. Alors, voilà. Alors je m'explique. Donc là vous avez un labyrinthe. Donc vous avez des récompenses à la fin. Je m'explique, pour gagner du diamant, il vous faudra faire des activités. À la fin, vous aurez des sortes de récompenses, donc des diamants, de l'or, du fer, etc. Donc voilà, une belle construction construite par Inglorious Nico. Voilà, donc très très belle construction. Donc merci à toi. Donc vous avez l'hôtel qui est plutôt pas mal vu de haut. Voilà. Voilà, donc voilà une belle construction de faite par Iju Inglorious Freeze. Voilà, très très grosse construction. Ensuite, vous avez la maison de Kevin 83400. Voilà, 80, ouais, voilà. Ensuite, là, vous avez un job que je vous laisserai découvrir par la suite si vous venez dans mon serveur. Donc un assez beau jump, donc que je vais vous montrer dans l'immédiat. Attendez, hein, moi je suis nul, enfin hein, je vous le dis. Et qui c'est qui m'a poussé là? Je suis pas le coup des jumps. Bon, bref, vous voyez ce magnifique jump qui va à peu près là. Vous verrez des récompenses. Je vous laisserai découvrir ça si vous arrivez à faire ce magnifique jump. Donc voilà, un deuxième petit jump. Donc voilà, arrivé vers là où vous aurez quelques petites récompenses aussi. Le tir à l'arc. Donc ça, c'est plus pour s'amuser qu'autre chose. Des emplacements. Donc comme j'ai dit, des emplacements où il faut acheter avec des diamants. Vous me posez les diamants là, etc. Donc voilà. Donc maintenant parlons plutôt de comment faire pour que vous pouvez, enfin, comment faire pour que vous puissiez rejoindre mon serveur. Donc je m'explique. Donc il faut déjà que vous me demandez en ami. Donc sur l'Xbox Live. Désolé pour les joueurs PS3. Donc il faut que vous regardez, faut que vous me demandiez vous m'envoyez une requête d'amis sur le Xbox Live
pour que je sache que vous êtes que vous voulez aller sur le serveur et que vous êtes joueur de confiance, ben vous m'envoyez un message comme quoi déjà vous m'envoyez une requête d'amis. Ensuite, donc vous m'envoyez un message. J'aimerais venir sur le serveur, etc., etc. Donc voilà, ça c'est ma maison. Il y a interdiction d'y aller dedans, sinon risque de bannissement. Voilà, enfin, je vous le dis. Voilà, donc ça c'est ma maison. Donc voilà, ça c'est la maison à ma petite sœur, c'est toujours. Voilà, ça c'est la maison à Antonin. C'est la maison à Choperice. Ça c'est mes plantations. Voilà. Très très belle plantation. La maison à Arnaud Crane. Donc voilà, c'est marqué, hein. Donc voilà. Donc voilà. Ici, il y a eu un début de maison. Voilà. Que je pense finir avant que certaines personnes qui me suivent rejoignent mon serveur. Donc nous allons dormir. Parce que la nuit, c'est toujours un petit peu énervant. Voilà. Il faut déjà qu'ils dorment. Voilà. Warrior. Bon, voilà. Donc, il y aura aussi des petits tutos sur ce magnifique serveur. Oh. Voilà. Donc là, vous avez du PVP. Donc vous arrivez déjà là. Vous voyez, pelle recommandée. Donc voilà, vous prenez une pelle, etc. Vous posez vos affaires ici. Voilà, parce que poser ses affaires avant. Donc voilà, vous montez, vous montez, vous montez. Et là, le but du jeu, c'est chacun se met dans un angle. Ça, c'est une activité qui se joue à 4. Une pelle creuse sous les pieds de l'autre pour faire tomber les 3 autres joueurs. Voilà. C'est assez amusant comme activité, etc. Là, vous avez comment dire, un labyrinthe à 4 étages. Donc, c'est une activité où vous gagnez beaucoup, beaucoup de diamants si vous le réussissez. Donc, voilà, je vous le dis. Là, donc ici, ça, donc c'est une petite activité sans diamant, donc voilà, c'est juste pour le fun. Ça, c'est un fight, donc voilà, c'est du PVP pour s'amuser, c'est pas. Donc voilà, là vous avez le club VIP, donc pour en faire partie, il faut 1500 diamants et venir me les donner à moi. Donc voilà. Ah, ensuite, donc voilà, donc sachant que si vous êtes inscrit au club VIP, vous avez des potions gratuites. Et les potions qu'il y a dans le magasin, gratuites aussi. Voilà, etc. Ensuite, vous avez l'arc de triomphe. Je m'explique. Très très jolie construction. Et aussi très très grosse grosse taille. Voilà, l'arc de triomphe qui est assez joli. Voilà, etc. L'hôtel. Donc oui, le jump, je vous l'ai montré. Voilà, la boîte de nuit. Pour les gens qui veulent faire la fête. Donc voilà. Grosse dédicace à Monster Bass aussi qui nous a rejoint. Voilà. Qui m'a fait tous les systèmes de Redstone comme ça, pardon. Tous les systèmes de Redstone qui permet que ceci clignote. Grosse dédicace à toi aussi. Voilà, ça normalement ça clignote, mais je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un petit bug. Donc voilà, après, comme j'ai dit, vous avez des magasins. Vous les avez vus là-bas, je suppose. Donc vous avez la magnifique mairie. Vous avez la banque. Je ne vais pas vous montrer parce qu'elle est possible. Il y a des possibilités de cambriolage. Il faudra bien sûr trouver les passages secrets qu'il y aura dedans. Vous avez les magasins pour acheter les blocs. Parce que bien sûr, il n'y a 4 de profondeur, donc du coup, les blocs, etc., il n'y a pas d'art. Donc voilà, c'est marqué le prix, vous voyez, etc. Voilà. Bien sûr, voilà, vous avez des magasins de nourriture, des magasins encore de blocs,
des magasins de potions. C'est pour ça que si vous êtes au club VIP, vous avez toutes les potions gratuites. Le magasin d'armure et d'armes. Donc, c'est tout marqué, hein, les prix. Vous voyez, 10 diamants, 18, voilà, etc. Voilà. Donc, vous avez la petite tour de contrôle réalisée par moi et par Arnaud Crane et Antonin. Grosse dédicace à toi. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, je le redis et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, petite tour de contrôle sur le serveur. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir une vue sur ce serveur. C'est un serveur PVP, sachant que c'est un serveur où il faut payer ses instrumentaux. Donc la belle pyramide réalisée par moi et moi seul. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Voilà. Donc là, vous avez l'emplacement de Divinity X. Donc, qui l'a acheté. Voilà. Donc, il s'est fait sa petite barre de maison. C'est joli. Ça fait penser aux Chinois. Voilà. Bon, bref. Ensuite, vous avez le grand, grand magasin exprès pour les gens de confiance. C'est-à-dire que ils viennent avec moi. Ils me disent, j'ai envie d'acheter des blocs. Ils regardent là. Steven, ils me disent, j'aurai toujours un levier sur moi, tac, j'en pose un, j'ouvre, je vais le rechercher. Parce que sinon, je pense qu'il va y avoir des risques de vol. Voilà, alors ensuite, il y a ce magnifique terrain de course qui a été réalisé par moi, Monster Bass et une autre personne, je ne sais plus trop, je ne me rappelle plus très bien. Donc voilà, grosse dédicace encore à Monster Bass grâce au système de redstone qui permet d'abaisser et de relever les grilles de départ. Voilà, donc encore grosse dédicace à toi. Voilà, donc un petit trampoline à TNT que Antonin nous a construit. Ah oui, je vous ai pas montré le manoir qui est là-bas au fond. Donc oui, donc nous allons voler. Tac. Voilà, donc tac tac. Donc vous avez l'intérieur du manoir, hein, tout ce qu'il y a de manoir basique, hein, etc. Vous avez des chambres. Donc si vous voulez passer une nuit dans le manoir, vous me le dites. Vous me passez genre quelques diamants et vous aurez le manoir à vous tout seul avec vos potes. Si vous jouez avec des potes sur mon serveur. Donc vous pouvez prendre le manoir, etc. Vous amuser. Donc voilà. Là, il y a un deuxième club VIP. Donc il faut 1500 diamants pour ce club VIP aussi. Si vous venez à ce club VIP, vous me donnez 1500 diamants. Je vous mets un levier. Je vous ouvre. Et je vous passe un levier pour que vous pouviez pour vous laisser la possibilité de sortir du club. Quoi. Parce que sinon... Donc voilà, là nous avons un immeuble, donc c'est des appartements, possibilité d'en acheter, donc voilà, donc cette chambre elle est à 64 diamants, donc vous l'achetez à vie, sauf si après vous me dites je ne le veux plus et vous le laissez à quelqu'un d'autre, voilà, 64 diamants, une chambre, un appart. Donc voilà, 64 diamants, le 1, le 2, le 3, voilà, 64 diamants, un appartement. Voilà, donc là aussi, grosse dédicace à trois personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidé à le faire. Moyen de paiement, donc vous mettez là, vous mettez sur le siège et vous me faites passer les diamants par l'eau, comme vous pouvez le voir. Là, vous me jetez les diamants par là, moi je les recevrai de l'autre côté, tout simplement. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc le club VIP, je vous ai montré. Bon, voilà. À vous de découvrir le club VIP à l'intérieur. Je vous laisse quand même un peu de mystère. Donc voilà une très très jolie construction de Gamer X. De X Gamer ou de Gamer X, je me souviens plus très bien. Très très jolie construction. Très très belle architecture. Voilà, donc voilà, très très jolie construction.
Donc voilà, le jardin public, où vous pouvez discuter entre potes, être là, vous balader, etc. etc. Je trouve que c'est un endroit assez bien, car voilà, etc. etc. Aussi, pour gagner des diamants, vous pouvez être mon employé. Donc, c'est-à-dire, m'aider à construire des trucs et vous serez payé à la fin. Donc voilà, dites-moi le. Voilà, etc. etc. Donc voilà, donc le palais, donc tout le sol, etc. J'ai une grosse dédicace à mon employé que j'ai employé hier, donc le 1er février 2014. Donc, grosse dédicace à Divinitix, qui m'a vraiment beaucoup aidé sur ce palais. Donc moi, j'ai fait tout ce qui est base murale, base architecture extérieur, etc. Donc le sol, il m'a vraiment beaucoup aidé. Divinitix a fait tout le sol. Donc grosse dédicace à toi. Voilà. Nico du même. Donc voilà, interdiction d'aller chez Wario 55400. C'est un admin. Donc je m'explique. Tous les gens que je vois aller chez les gens sans leur permission, sans avoir demandé à la personne, ou sans même en cassant des trucs. Déjà, je vois une personne casser un truc, je lui enlève les droits de construire. Je lui enlève les droits, enfin, je l'exclus la première fois. La deuxième fois, il n'aura plus les droits de construire. Et après, il est exclu définitivement s'il fait vraiment n'importe quoi. Donc, les bannissements, voilà. La première fois, vous serez juste coupé des droits et exclu. La deuxième fois, vous aurez juste plus les droits de construire sur le serveur. Et vous me redemandez gentiment, en étant franc et honnête, et je vous laisserai peut-être les droits de reconstruire, de créer des trucs sur mon serveur. Bien sûr, tout en achetant, hein, bien sûr, parce que le gars que je vois qui construit, qui m'a pas donné de diamant, je vous le dis que sa construction, elle va vite tomber en miettes. Enfin, je préviens quand même pour les gens qui me suivent. Voilà. Donc, voilà, je répète encore une petite fois, si toute personne voulant venir sur mon serveur, demandez sur les Xbox Live mon gamertag. Donc, c'est CK Monsieur le V10. Donc voilà. Enfin, j'espère que vous avez compris. Nathan 29, donc ça c'est sa maison. Voilà, qui est assez jolie. Là, voilà, un petit resto que je n'ai pas totalement terminé. Comme j'ai dit, hein, il n'est pas totalement fini. Hein, parce que hein, vous avez vu quand même qu'on est quand même 6 ou 7 à le construire. Donc voilà. Cette jolie sphère réalisée par moi et moi seul, le Minecraft dans les airs réalisé par moi, bien évidemment. Ensuite, en haut, là, des appartements, vous avez